Le directeur général de la société d'exploitation du Transgabonais, Christian Mani, a réceptionné samedi 4 mars les travaux de réhabilitation de la voie ferroviaire Oufouéboué, détruite par un glissement de terrain le 24 décembre dernier. Pour le compte de la CITREC, cette réception des travaux annonce la reprise dans les prochains jours du trafic des trains voyageurs. On rentre dans la phase où le trafic voyageur va reprendre, mais pour que ce trafic reprenne, il fallait rassurer les autorités, aussi les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles chef de l'État, Limongo Ondimba. Et donc nous sommes venus avec la partie État qui est venue voir la plateforme et donc pouvoir remonter cette information aux plus hautes autorités qui vont initier la reprise du trafic voyageur qui est très attendu, nous le savons, par les populations. Présent sur les lieux pour le compte de l'État gabonais, le directeur général des infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires a confirmé la fiabilité des travaux réalisés. Les travaux sont menés conformément au cahier des charges prescrit par le cabinet de renommée internationale. Nous constatons également que la voie est réhabilitée, les travaux de la voie sont terminés. Il revient désormais au gouvernement gabonais d'annoncer officiellement la reprise du trafic des trains voyageurs tant attendu par les populations.